Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça les a questionnés. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on leur propose et en fait, ils ont été intéressés de ce qu'ils découvraient. C'est des thèmes qui touchent tout le monde, qu'on soit pratiquant ou pas, croyant ou pas. Et c'était vraiment des thèmes de construction humaine. Ils étaient très contents d'avoir à s'exprimer sur des émotions. Et puis les exercices type repérer des émotions, les identifier, ça ils aimaient beaucoup. Donc oui, c'est vraiment des activités bien adaptées et bien faites pour eux. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait des moments où ils réfléchissent seuls, ils se positionnent seuls, des moments où ils mettent en commun. Et du coup, ils se regardent différemment quand ils mettent en commun, parce qu'il faut qu'ils s'expriment. On les invite à écouter l'autre, et à s'exprimer et à écouter. Et ça, c'était intéressant, dès la sixième, de les initier à cette qualité d'écoute et d'attention à l'autre, quoi. Les vidéos qu'on a vues, c'est riche, ça permet pour nous animateurs de reposer le cadre, d'avoir de nouveau du vocabulaire sur lequel on pourra rebondir après. Et puis j'ai bien aimé les vidéos d'interview qui donnent un autre point de vue, un autre regard, c'est filmé différemment et même pour eux les jeunes, une attention différente parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'exprime, ils ne s'y attendent pas. Et voilà, ça les invite encore une fois à ouvrir un peu leur horizon, quoi. Donc ça, c'était sympa. C'est déroulés pédagogiques qui sont clés en main et qui sont quand même très agréables à suivre. La très bonne surprise, parce qu'on découvrait, c'était de voir que ça rentrait vraiment bien dans le timing qu'on a. J'ai bien aimé l'équilibre entre les moments où nous, on est un peu en avant, on présente le thème, on introduit, et puis les moments où les vidéos prennent le relais, les moments où c'est des activités entre eux et où on peut plus circuler et être attentif à chacun. J'ai trouvé que c'était facile à mettre en œuvre, en fait. Voilà.